Les enfants de la rue, on en retrouve dans plusieurs grandes villes du continent africain. De nombreuses raisons sont à la base de ce phénomène social, mais la misère et les dysfonctionnements familiaux en sont les principales causes. Comment devient-on enfant de la rue? Nous avons ici quelques éléments de réponse en nous rendant dans l'un des repères des jeunes gens touchés par ce fléau dans la ville d'Eldoret au Kenya. Quand un nouveau membre, en particulier une jeune fille, se joint à notre groupe, elle doit remplir certaines conditions avant d'être acceptée et reconnue. Cela implique l'application d'un mélange de charbon et de pétrole sur son corps comme une marque d'identité. Et l'homme qui fait cela devient automatiquement son partenaire sexuel. Un rituel initiatique auquel cette jeune fille semble s'accommoder. Maintenant qu'il a fait cela pour moi, il est officiellement mon homme. Nous allons nous soutenir mutuellement dans toutes les circonstances. Les filles qui refusent de se plier à la règle risquent gros. Si vous ne coopérez pas, vous êtes violé par ces hommes que vous voyez ici. La police dit n'avoir pas reçu jusqu'à ce jour des plaintes pour viol venant de cette communauté. Pour ma part, nous n'avons jamais été informés de cas de viol rapportés par les familles de rue. Si cela se passe, c'est que ce sont des cas qu'ils nous cachent pour des raisons que seuls savent. Pour ces jeunes filles, le jeu en vaut la chandelle pour être protégées, entourées et considérées.